T'as envie de gagner ça? Ok. 5000 pouces bleus. Ah bah ouais, non mais attends, ouais. C'est comme ça que ça marche maintenant, non? Non, c'est pas comme ça que ça marche YouTube. Ah bon? Ah mais Pinette, ça fait cancer de demander des objectifs, des pouces bleus, tout ça et tout. 5000 pouces bleus, je veux pas le savoir. Mais attention, ça vaut le coup. Attends, cadeau de Noël. Ça serait dommage de pas laisser de pouces bleus, de pas de partager cette vidéo et de pas s'abonner à la chaîne. Après moi je dis ça, je... Ça va toi? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo où je vais juste parler, il n'y a pas d'impression 3D, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à présenter. Si ce n'est que cette machine elle est exceptionnelle, si ce n'est que je suis en train de préparer des petits prints de Noël, voilà, parce qu'il y a Noël qui arrive. Mais moi je suis d'une générosité hors pair. Pas tout le temps, je suis pas sûr que vous le méritiez. On va refaire un peu le topo, ça va bientôt faire 2 ans que je fais l'impression 3D. Ma chaîne a énormément évolué depuis, j'ai découvert la 3D, j'avais 40 000 abonnés. Au moment où je te fais cette vidéo j'en ai 201 000 je crois. Merci beaucoup, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. Même si les vues sont pas toujours au rendez-vous, même si des fois il y a des vidéos qui bident royalement, qui peinent à faire 10 000 vues, alors que j'ai 200 000 abonnés, c'est pas très logique. Ça reste quand même un contenu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans ce monde de YouTube, et j'essaye de persévérer, j'essaye de m'accrocher même si c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai décidé de faire de YouTube, de ma chaîne et de l'impression 3D bah mon métier, donc je suis à temps plein là-dedans. Alors il y a YouTube effectivement, mais j'ai envie de créer d'autres projets à côté et pas dépendre uniquement de YouTube. L'impression 3D, encore une fois je le répète et je le dis, je suis sincère, c'est quelque chose qui me passionne énormément, et forcément si je peux en vivre bah ça fait plaisir. Alors bon, c'est pas toujours simple, je suis pas pété de thunes comme vous pouvez peut-être l'imaginer, et vous pouvez croire que tous les youtubeurs c'est comme ça, pas du tout. J'essaye de m'accrocher et bah merci à tous ceux qui soutiennent, que ce soit dans les vidéos, en laissant des pouces bleus, en partageant les vidéos, en commentant, donc ça aide un petit peu à développer la chaîne. Merci à ceux qui vont aussi checker YouTube, qui prennent la peine de regarder des pubs. Merci également à ceux qui font confiance et qui parfois peuvent acheter une imprimante en passant par mon lien affilié et qui peuvent aider avec une petite commission. Bref, vraiment merci à tous ceux-là. C'est vous qui m'aidez à me développer, et si je peux continuer à vivre de l'impression 3D et de ma passion, c'est grâce à vous. Alors merci. Bref, tout ce blabla étant fait, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur la fameuse Creality Under 3 qui est juste là, imprimante 3D à 150 €, qui est franchement exceptionnelle, tu vois. Ça a été fait avec une petite Creality Under 3, voilà, tac, petit mécanisme qui s'ouvre en plus, voilà, et bah franchement, j'ai fait un vase, il ne fuit pas, j'ai mis de l'eau à l'intérieur, d'ailleurs il est encore mouillé, hein. Donc superbe vase. Bref, franchement, une très bonne imprimante. Et je sais que, bon, malgré tout, il y a des familles, il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter l'imprimante 3D. Et je sais qu'avec mes vidéos, ça peut éventuellement donner envie à des gens. Et certaines personnes ne peuvent pas se le permettre. C'est pourquoi Père Noël Pinot est de retour. Père Noël Pinot a décidé de vous faire un cadeau cette année. Père Noël Pinot a décidé de vous faire gagner une Creality Under 3. Je précise, il n'y aura aucun partenariat là-dedans. C'est moi, de mon propre argent, qui décide de vous l'acheter. Et pour participer à son concours, ça va être plutôt simple. On n'a pas le droit, de base, de faire des concours sur YouTube. C'est pourquoi la plupart des YouTubeurs font des concours et redirigent la communauté vers Instagram. Moi, mon Instagram, je m'en branle un peu. Bon, tu peux aller t'abonner dans la description. Par contre, là où moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est mon serveur Discord 3D Land. On est une communauté de plus de 2000 personnes sur ce Discord. Et c'est un espace majoritairement dédié à l'impression 3D, à l'entraide, au partage. C'est pourquoi? Pour participer à son concours, parce que c'est ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Et vous vous dites, putain mais arrête de parler, on s'en fout de ce que tu dis. Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire là pour participer là? On veut participer, on veut gagner. Tu rejoins ce serveur Discord, le lien est dans la description. Il y aura un salon qui s'appellera Gagne ton imprimante 3D. Tu vas rejoindre et tu vas m'écrire un petit texte en 3-4 lignes. Et tu vas essayer de trouver dans ton imagination une espèce de petit poème, une espèce de petite strophe avec l'impression 3D, avec le mot Creality Under 3, un truc qui rime, un truc cool. Alors je te demande pas des quatrains, des tercets, des alexandrins, quoi que ce soit. Je te demande juste, voilà, un truc fun, de quelques lignes, avec des rimes, et ce dont pourquoi tu aimerais gagner cette imprimante. Comme ça, tu vois, ça te fait travailler, moi ça me fait rire, et c'est pas juste, je participe pour gagner, gna gna gna. Non, par exemple, je sais pas, Tosda Impro, oh Pinot, mon grand Pinot, l'impression 3D ça me fait bande, j'aimerais gagner cette imprimante si fraîche qu'une glace à la menthe, etc, 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 Jean de la Fontaine. Bon voilà, t'as compris le délire. Alors par contre au niveau tirage au sort, etc, ça sera forcément un petit peu en décalé. Il y a les fêtes de Noël, tout ça, donc tout le monde fait en famille, moi-même je fais en famille, donc pendant cette période il y aura sûrement 3-4 jours où il y aura pas de vidéo. Je ne serai pas chez moi, donc je pourrais pas faire le tirage au sort tout de suite. Donc je pense que le tirage au sort sera fait après les fêtes de Noël, et vous devriez du coup recevoir votre machine d'ici début d'année 2019. Ça sera mon cas
cadeau de Noël en décalé, ce sera une bonne manière pour vous de bien commencer 2019 avec une imprimante 3D. Et l'idéal pour moi, même si ce sera le hasard et je saurais pas, mais l'idéal pour moi ce serait de faire gagner quelqu'un qui n'a pas d'imprimante 3D. Parce que si t'en as déjà une, forcément tu connais déjà ce monde là, etc. Alors qu'un mec qui n'en a pas du tout et qui regarde mes vidéos, il aimerait vraiment l'avoir son imprimante 3D, tu vois. Donc bon, après c'est le fruit du hasard. J'espère infiniment que ça tombera sur quelqu'un qui n'en a pas et qui puisse découvrir ce monde merveilleux qu'est l'impression 3D. Bref, j'espère que t'es content, j'espère que ça te fait plaisir, que Père Noël Peanut passe cette année. C'est en quelque sorte un petit remerciement de ma part pour votre fidélité, pour certains, pas pour tous forcément. Je sais très bien qu'il y en a certains qui regardent pas mes vidéos et qui vont justement venir s'abonner, regarder, venir sur le Discord juste pour gagner et qui n'en ont rien à foutre de moi. C'est la joie des concours aussi, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. En tout cas, bonne chance à tous, j'attends vos petits poèmes sur le Discord. Ah oui, checkez ma chaîne secondaire aussi, j'ai fait des nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire. Je recrée des maps de Call of Duty sur Fortnite, notamment Nocturne sur Fortnite. Bref, ça c'est juste pour les intéressés, pour les gamers. Donc ma chaîne secondaire en description. Le Utip, comme d'habitude, tu peux regarder une petite pub, tu peux aller regarder l'espace shop pour acheter une petite cacahuète ou peu importe. Ça fait plaisir, merci. Allez, j'arrête de parler, désolé de vous avoir saoulé avec ça. Bonne chance à tous, c'était Peanut, prenez soin de vous. Ciao.